les amis, soyez les bienvenus dans ce club des Pitchouns spécial, le club des Pitchouns qui fête Noël en attendant bien évidemment l'homme en rouge, le Père Noël. J'espère qu'on aura bien évidemment la possibilité et la chance de le voir d'ici la fin de cette émission qui va se dérouler comme suit, puisque il faut savoir, les lutins du Père Noël ont d'ores et déjà disséminé un petit peu partout dans cet immense parc des indices, et ces indices mis bout à bout nous donneront la possibilité, on l'espère en tout cas, d'aller à la rencontre du Père Noël. On va accueillir dans un instant Clara et Valentin, mais pour l'heure, regardez chez vous, il s'appelle Looney et il mérite un tonnerre d'applaudissements. Salut Looney! On se fait un gros câlin. Oh oui, Looney! Looney, pour vous informer les enfants, c'est la mascotte de Fun City et c'est lui qui va lancer le jeu, c'est lui qui va nous donner notre premier indice. Allez, on accueille Clara, Valentin et Pitchoun. Allons-y! Hop, soyez les bienvenus, ça va les gars, ça va les filles, on est parti pour 2 heures de folie, de dessin animé. Évidemment, le premier indice, 3, 2, 1, c'est parti! Bon, les amis, afin de valider votre premier défi, vous devrez aligner verticalement 13 cubes. 13 ouais, c'est pas possible. Mais en hauteur, regarde la taille d'un cube. Mais c'est plus grand que nous. C'est pas possible, on peut pas le faire. Mais on doit le faire pour le Père Noël. On n'a pas le choix. On doit le faire. Allez, on n'a pas le choix. Alors, j'imagine. Ça, c'est parti. Allez, mais par contre, la base, on ne peut pas la comptabiliser. On n'a pas le droit de la comptabiliser. On va comptabiliser à partir de celui-là. On fait 13 à partir du numéro 1 de celui-là. Ok, 1, 2, 3, 4. La base, elle est plus grande juste pour consolider. 6 7 8 9 10. Je vais te faire tomber, Non, regarde, 9. Ah. Attends, j'ai une solution. Clara, ok, monte sur mes épaules. Go, Clara, go. Monte là. Attache le bec. Regarde, 1, 2, 3. Regarde, il est folle là. Il est rapide. Il est folle. Attention, 1, 2, 3. C'est bon, je vais bien. Allez, regarde, moi je tire la tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On peut pas, on peut pas. Oh mon dieu. Ok, on met la base. Non. Chacun à votre tour, escalader la tour infernale en moins de 2 minutes chacun. Looney, elle est où cette tour infernale? Je pense que c'est la tour là-bas. Qui est là-bas. Alors c'est parti. 3, 2, 1. Vive la tour infernale, t'es parti. Bien, les amis, on va rappeler le deuxième défi
de ce club des pitchouns qui attend évidemment tous ensemble le Père Noël. Exactement. En relais, vous devrez chacun votre tour escalader la tour infernale en moins de 4 minutes. 4 minutes possible. Escalader ça? Oui, ça. Mais dehors ou dedans? Dedans. Non, parce que dehors là c'est... C'est pas possible, c'est pas Spider-Man. Non. Toi peut-être, mais moi non. Donc en relais, ça veut dire qu'on va devoir passer chacun notre tour. Donc il faut un ordre de passage. Qui passe le premier? Moi. Ok, deuxième, moi. Clara, et moi dernier. Oui. Ok. Et Pichoun. Non, Pichoun il nous encourage. Pichoun est là. Ah, ok, mais du coup faut taper dans la main pour donner le passage à l'autre. Dès qu'on redescend, hop, on claque la main. Ok. Et le suivant, continue. Regarde, moi. Il y a Looney là-haut. Looney, c'est lui qui va évidemment nous donner l'indice supplémentaire si on arrive à atteindre les fameuses 4 minutes. Ok. Ok, mais attention, ça part de maintenant. Hein. Ok, on est parti? On est parti? Allons-y. Yes. Allez, attention. 3, 2, 1, top! Allez, Pichoun, c'est parti. Top! Allez, 1! Ah, c'est parti! Allez, c'est la moitié! Allez! Looney! L'approche de Looney! On est dans les temps, c'est nickel! C'est dans les temps! Super! Hop! Ouais! Ok, c'est bon! C'est bon, Looney! Ouais! C'est bon! Je l'ai! Je l'ai! Ok! Je vais tomber! Je l'ai fini! Je l'ai! Attention! Papy, j'ai perdu mon chapeau! Jack! Ouais! À moi! Allez, à toi! Oh. Avant que Looney nous donne l'indice suivant, on va découvrir un magnifique, magnifique dessin animé de Noël, rien que pour vous, car on a volé les rênes du Père Noël. Non, ça c'est pas possible. On peut pas avoir volé ce soir les rênes du Père Noël. C'est pas possible. Allez les amis, c'est déjà le troisième défi du club des Pichouns spécial Noël. Le club des Pichouns qui fête Noël en attendant bien évidemment le Père Noël. Looney est avec nous et il va nous transférer tout de suite ce troisième indice qu'on a gagné. Vas-y, dis donc, mais arrête hein, attention. Dis donc Looney, attention. Alors, découvrons ensemble ce troisième indice. Le prochain indice, c'est dissimulé dans la piscine à balles. Bon courage. Avec la piscine à balles, elle est en bas. On y va, c'est parti. 3, 2, 1... Top!
Cara, ouais, papa. Ouais, ouais, 3, ouais, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, on ne trouvera jamais. Attends. Ah non, pardon. Pichoun, aide-nous. Tiens, t'as trouvé l'indice, Pichoun? Non, il a pas trouvé l'indice. Ah, attends, attends. Ah. Ah, mon cerveau. Ça y est, tu l'as trouvé? Non. Oh. On est carte. Là, il n'y a rien. Je crois qu'il n'y a rien ici. Mais on nous aurait piégés. Mais peut-être que c'est un piège. Peut-être que les lupins parfums ne nous ont même pas mis d'indice dans cette immense piscine. Pichoun. Allez, Pichoun. Allez, je l'ai. Ça y est. Ça y est. Ça y est. Alors, le trampoline vous met au défi, sautez assez haut chacun votre tour pour récupérer une partie de l'indice. Une seule partie? Une partie de l'indice? Ah, c'est parti! Allez, c'est parti! Trampoline, c'est parti, c'est parti, c'est parti! Ah, le temps qu'on y aille, on envoie un clip tout de suite, on y va! Les amis, les enfants, soyez les bienvenus si vous venez de nous rejoindre. Vous regardez TV Pichoun, vous regardez le club des Pichoun qui fête Noël. Il y a Valentin, il y a Cara, il y a bien évidemment Pichoun qui est là juste face à moi. Juste avant la musique, Valentin nous dévoilait un nouvel indice, le quatrième. Quel est-il? Alors, le trampoline vous met au défi. Sautez assez haut, chacun votre tour, pour récupérer une partie de l'indice. C'est-à-dire qu'il y aura trois morceaux d'indice qu'on va devoir récupérer chacun individuellement. Donc comme pour le relais, on va passer chacun notre tour. D'accord. Donc, eh ben, qui commence? Allez, moi je commence. Allez, vas-y. Allez, c'est parti. 3, 2, 1, top! Ça va? Ouais! Ça fait mal? Non! Bon, allez, faut que j'y aille!
Yes. Et j'y vais. Allez, Guillaume. Allez. Question. Ah. Allez, Guillaume. Oh, allez, Guillaume. Allez. Allez, Guillaume. Allez. Attends, concentration. Oh non. C'est Pichounette aujourd'hui. Ça va ? Loudi, on n'a le droit à rien, regarde. Un, deux, trois. On a le droit à la vie. Merci beaucoup, Loudi. Merci beaucoup. Allez, tu l'as pas dit encore aujourd'hui. Quel est l'indice du moment ? Qui sera le plus à l'aise dans la course infernale ? Direction le karting. Le karting pour tester ça. Oh, on est parti. 3, 2, ah, vive le karting! Et nous les enfants, on va regarder tous ensemble un super dessin animé, l'agenda du Père Noël. C'est parti! Les amis, soyez les bienvenus si vous venez de nous rejoindre. Vous regardez le Club des Pitchouns qui fête Noël. On attend tous ensemble le Père Noël. Si vous regardez cette émission depuis le début, vous le savez, les lutins ont disséminé un certain nombre d'indices. Nous sommes en train de les récupérer et ces indices vont nous mener, ça c'est sûr, vers le Père Noël. En tout cas, on y croit dur comme fer. Là, on est où ? On est dans le kart de ce grand parc d'attractions. Et dans ce kart, nous allons faire une course avec Clara, avec Valentin. On attend que Pitchoun lance le décompte. C'est parti. On a le droit à notre indice, Loudi, qu'on va retrouver dans un instant. On va faire
d'abord et avant tout, une courte pause musicale. À tout de suite les amis, à tout de suite. Ouais. Alors, les amis, grâce à Clara, nous avons le droit de bénéficier du 5e à 10, car elle a évidemment récupéré la fameuse brique. Bravo à toi, Clara. Alors, Louni, donne l'indice à Clara. Et Clara, dis-nous tout, s'il te plaît, faut y aller, là. Allez, dis-nous. Alors, épreuve finale. Oh là là, vite. En relais, vous devrez, chacun votre tour, chercher votre poids. Au point le plus haut de la structure infinie. Oula. Dépêchez-vous, le temps est compté. C'est ce que je te disais, le temps est compté. Oui. On y va. 3, 2, 1, c'est parti. Bon, Clara, t'es prête? Oui. C'est la première. 3, 2, 1, check, go! Rencontrer le Père Noël. Quoi? Pour cela, Guillaume, Valentin et Clara, vous devez aller vous coucher. Mais c'est pas grave parce que non. Le Père Noël il va passer. Bien sûr. Pichoun, rendez-vous au pied du sapin. On va aller lui laisser du temps. C'est ça. À Pichoun pour qu'il aille rejoindre le pied du sapin qui n'est pas tout à fait à côté.
Eh ben nous, on va aller se coucher. On va attendre demain matin avec beaucoup d'impatience le Père Noël qui soit passé et qui nous ait laissé plein de cadeaux. Et en attendant, le premier cadeau, on vous l'offre sur TV Pitchoun, dans le club des Pitchoun qui attend le Père Noël, c'est le petit renne. Et on retrouvera Pitchoun et le Père Noël juste après. Restez avec nous, les enfants. Allez, Pitchoun, viens, viens, je t'en prie. Bravo à toi. Installe-toi, on s'assure un gros câlin. Installe-toi là, viens là. Alors, Pitchoun, tout d'abord, toutes mes félicitations. Mes félicitations à Clara, mes félicitations à Valentin, mes félicitations à Guillaume, car grâce à tous les trois, eh bien, Pitchoun a pu remporter ce magnifique cadeau qu'il rencontre avec le Père Noël. Oh, oh, oh. Ils étaient coquins, hein, ces petits lutins. Ils vous en ont fait voir aujourd'hui. Dis-moi, Pitchoun, tu as aussi été extraordinaire cette année, puisque... si mes souvenirs sont bons, tu as remporté un super défi, et pas n'importe lequel, puisque grâce à toi, Pitchoun, aujourd'hui, 1 million de téléspectateurs regardent TéléPitchoun tous les mois. Alors tu sais quoi? Rien que pour ça, d'abord on vous remercie de nous regarder, de regarder Pitchoun et ses amis, et surtout les amis, on remercie Pitchoun d'être là tous les jours de l'année pour vous distraire. Tu sais quoi? Dis-moi ce que tu veux. Dis-moi, quelle est ta liste de... Quoi? Un vélo? Eh bien, écoute, un vélo, c'est pour toi. Tu le recevras dès demain. Mais attention, Pitchoun, pour ce faire, il faut aller se coucher. Et pas tout seul. Tu m'as vu, certes, mais... Chut, hop, tu m'as déjà oublié. Les enfants, allez vite vous coucher. On se retrouvera, si vous avez été sages, demain matin. Ho, ho, ho!